Oh,
Arrêtez ça!
Vous êtes fatigué. En fait, on est toujours autant fatigué d'Ali Bongo. Et il va dégager, on ne lâche rien. Tant qu'il sera là, on ne lâche rien. Oh,
On va encore passer un peu des messages, ok, parce qu'on est là aussi pour ça. Donc il y avait Suzanne qui voulait dire quelque chose, elle va dire un mot. Et puis on va inviter nos amis du Togo à venir parler aussi au cours de la cause du Togo. Après ce sera le cas du Gabon, de parler du cas du Gabon. Voilà. On se rapproche, on resserre un peu les rangs parce qu'il fait froid. On reste en cercle, on se rapproche s'il vous plaît. Équipe, oh. Équipe, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Équipe, oh. Équipe, ah. Les femmes, oh. Oh. Les femmes, ah. Je veux d'abord m'adresser aux femmes. Pourquoi la femme? Parce que c'est elle qui a mis au monde ces fils qui sont emprisonnés au Gabon aujourd'hui. Parce que c'est une femme qui a porté Bertrand Tibi pendant 9 mois. Parce que c'est une femme qui a porté Pascal Oyougou. Parce que c'est une femme qui a porté Frédéric Massavala. Parce que c'est une femme qui a porté Mbella. Parce que c'est une femme qui a porté tous ces prisonniers politiques que Bongo retient injustement dans ses geôles. C'est à nous de nous lever. Nous ne devons plus nous taire. Ça suffit comme ça. Ça doit s'arrêter comme ça. La diaspora, la femme de la diaspora doit se lever. Elle doit toujours venir au Trocadéro. Elle doit s'exprimer. Elle doit exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Ça suffit comme ça. Nous ne devons plus nous taire. Nous ne sommes pas les moins que rien. Nous devons nous exprimer. Nous devons exiger la libération de nos fils, de nos frères. C'est injuste de nous taire. Parce que lorsque nous nous taisons, nous disons oui à Bongo qui retient nos fils et nos frères injustement en prison. Lorsqu'on reste derrière les claviers, a écrit simplement « Libérer Ndibi » et puis ça suffit comme ça. On se cache. La Gabonaise, la résistance aujourd'hui doit rester ferme. Elle doit prendre son courage. Elle doit s'exprimer partout. Elle doit exiger la libération de Ndibi et de tout le reste. C'est clair. Ce sont nos fils que Bongo a tués. Ce sont nos fils bien-aimés que Bongo nous prive. Vous savez, si on ne fait rien, les choses vont rester telles quelles. Ça ne bouge pas au Gabon. Tout le monde sait que la résistance au Gabon n'existe pratiquement plus. Mais en France, ici au Trocadéro, la flamme de la liberté est là. Nous devons nous impliquer dans ce combat. Nous devons nous impliquer de plus en plus dans ce combat. C'est clair. C'est nous qui les avons mis au monde. Et Bongo a tué nos enfants. Et nous nous taisons. Notre mutisme devient complice aux exactions commises par Bongo. Je m'adresse à une femme ce soir. Je m'adresse à des petites soeurs ce soir. Je m'adresse à des combattantes, à des femmes. Ce soir, je veux réveiller votre amour. Je vais réveiller en vous votre courage. Il n'est plus question de se taire. Ici, là, on doit voir une femme prendre le micro et dire Ali Bongo, dégage, libère Ndibi. Ce n'est pas toujours les hommes qui vont parler. Ce n'est pas toujours les hommes qui doivent se mettre devant. On a vu autrefois des femmes amazones en Afrique qui se sont battues. Ouais. Qui se sont battues contre les colons. On le sait. Qu'est-ce que la Gabonaise fait? Qu'est-ce qu'on fait? On doit se lever. On doit manifester. On doit parler. On doit dénoncer. Bongo a ses faits. Il doit partir, il doit quitter le pouvoir. Mais Ali doit dégager. Je m'adresse à une femme qui parle ce soir. Je ne vois pas aujourd'hui, elles sont pas nombreuses, je ne sais pas pourquoi. Elles sont où? Togo debout. Les femmes de Togo debout. Est-ce que je peux voir votre point lever si vous venez? Si elles sont là. Togo debout. Il n'est pas question de laisser nos frères s'exprimer.
opprimée. Mais oui, elle est sans en Afrique, où elle est sans, nous confisquons. Mais nous qui sommes ici en France, on peut dire les gens qui sont éclatés. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. C'est sinon, c'est pas vérité ici. Paris devait nous. Paris devait te voir. Elle devait être là avec nous. Mais nous qui sommes où nous pouvons nous exprimer, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Ouais, on s'amuse. Nous n'avons pas un autre pays. Et ce n'est pas une autre personne qui va libérer notre pays à notre place. La femme doit s'impliquer. Quand c'est trop, il faut sortir de la peau. Alors, je voudrais bien retourner au Gabon. Ouais, je vais aller voir mes parents au Gabon. Donc, tu sais la grande. Moi aussi, je ne peux pas faire comme toi. Mais je suis qui? Tu es qui? Ah bon? Il faut que l'on voie toujours les mêmes visages. Ah non, le Gabon nous appartient tous. La femme doit s'énerver, elle doit être ferme. Pourquoi? Parce que c'est Mburantsur qui a vendu le Gabon à Bongo. Nous avons une raison. Tant que c'est une femme qui a vendu le Gabon, et c'est une autre qui doit racheter ce Gabon-là, nous devons rester constants et fermes dans ce combat. Nous allons gagner si nous restons constants et fermes. Déterminés. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Je n'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est, trop c'est trop. La femme a cette lourde responsabilité de rester ferme, de dénoncer, d'exiger la libération de nos fils. Ouais, arrêtez de vous cacher. Nous avons lancé une marche des Amazones. J'ai vu quelques-unes, mais il y a des femmes qui sont venues de loin pour participer à cette marche. Il y en a qui se disent, non, moi je dois repartir au Gabon. Il faut que j'aille dire bonjour. Il faut que je reparte au Gabon voir ma famille. Mais non, non, on est tous exilés ici. On va rester ici. On restera ici. Et tant que Bongo pouvoir, on sera tous ici. Que tu viennes au Trocadéro ou pas, tu es déjà une femme morte. Que tu le veuilles ou pas. C'est mieux, donc, sauf si tu manges sur les deux tables. Sauf si tu nous dribles. Mais moi, je vous dis, toutes celles qui savent qu'elles sont vraies dans le combat, restez fermes, dénoncez où que vous êtes. C'est ça mon message. C'est trop. Bravo, bravo. Les enlèvements continuent. Pourquoi? Parce que la femme de la diaspora se tait. Il y a vraiment beaucoup de vent ici. Ouais. Nous devons inonder les rues de Paris. Nous devons dire que Bongo est un assassin. Nous devons dire, nous devons exiger à Bongo de rendre les corps de nos enfants. Parce qu'il a tué des Gabonais. Il a tué nos enfants. Ouais, il a assassiné, il a massacré nos fils. Et c'est à nous de nous lever et de lui rappeler Bongo. Tu ne seras pas en paix. Si on sait qu'il vient ici, on va tous dormir devant son hôtel. On n'a pas besoin de dire à une femme, écoute, Bongo est là. Non, tant que tu sais que tu as mis au monde, tu as des enfants, tu es une vraie résistante, tu as le devoir de te rendre à cet hôtel et dire Bongo, assassin, retourne au Gabon. Tu as perdu les élections. Mais à ma grande surprise, quand Bongo arrivait ici, il y avait peu de femmes. Peu de femmes étaient devant le jour 5. Ben oui, désolé. Mais aujourd'hui, il est question de rester ferme. On ne recule pas. On ne reculera point. Je viens vous exhorter, chères sœurs, chères filles, de rester ferme. On ne recule pas. C'est Bongo qui doit dégager. Vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On parle de Veolia. On ne fait que parler de Veolia. On s'en fout. On dit simplement que Bongo est en train de chercher l'issue de sortie. Mais son pouvoir est terminé. Donc, équipe O, équipe A. Ça, je n'ai pas su m'exprimer. Peut-être que je n'ai pas dit ce que vous voulez entendre. Peut-être que je n'ai pas pris les grands mots. Non, moi je suis une résistante. Je dis, je ne veux pas du pouvoir de Bongo. Il a perdu les élections le 27 août 2016 et la femme gabonaise qui a mis des enfants au monde se voit aujourd'hui indignée parce que ses fils ont été tués. Donc c'est à nous de nous lever et dire Bongo est un assassin. Point barre. Merci. Merci Fidel. C'est un assassin. Équipe A. Oh. Équipe A. Ça c'est une femme gabonaise qui parle. Et ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je sais pas, mais je sais pas si vous vous rappelez. Il y a un épisode que j'ai vu au Gabon. À côté de chez Jean-Pierre, il y a une mosquée.
Est-ce que le Gabon est un pays musulman? Non. J'ai rien contre les musulmans, moi-même j'ai été musulman. Dieu m'a sauvé, je suis devenu chrétien. J'ai rien contre les musulmans. D'accord? Sauf qu'à côté de Chichampi, il y a une mosquée. Des mamans, quand ils ont arrêté le comment, ils sont venus, l'huissier est venu chez Jean-Pierre. Des mamans, même des grand-mères, pas des gars, elles ont dit ici, il n'y a pas de prière aujourd'hui. Personne n'est rentré. Puisque au Gabon, en fait, on nous prend pour des moutons. Les Gabonais ne font rien. Personne ne fait ici, des mamans, pas des jeunes gens, des grand-mères. Personne n'a prié ce jour-là. Tout le monde est parti. Ce que Suzanne dit est vrai. Ça veut dire qu'en Afrique, que ce soit au Togo, au Gabon ou ailleurs, nos mamans, lorsqu'une maman se lève, si tu es papa ici, tu as déjà assisté à la naissance de ton fils, ce jour-là, tu bénis le ciel que Dieu merci de m'avoir fait un garçon. Moi, en tout cas, le jour que j'ai vu mes enfants venir au monde, j'ai dit merci Seigneur que je suis un garçon, parce que je n'aurais jamais pu supporter ça. Si une mère est capable de supporter un garçon, notre combat, nous devons être déterminés. La détermination, c'est même quand il fait froid, tu viens. Vous savez, si nous arrêtions là, on aurait gagné. Mais il aimerait tant qu'on arrête. La semaine prochaine, il y a la marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous qui sommes là, rappelez, recontactez vos frères, vos soeurs. Contactez tout le monde. Il faut que nous soyons nombreux. Parce que je vous assure, les images parlent. Les images parlent. Il n'y a pas besoin d'être devant. On a tous la télé. Quand tu vois une manifestation, si tu vois que la contestation, même dans ce pays, elle faiblit, ce pays, la façon qu'ils interprètent les choses, c'est finalement, c'est Ali Bongo qui a raison, et pas nous. Parce qu'on se dit, comment comprendre que des gens qui sont tués puissent être si peu à venir manifester leur mécontentement? Quand tu as raison, tu parles, tu sors. Quand tu as tort, à la fin, tu finis par te cacher. Mais nous, nous n'avons pas tort, nous avons raison. Nous sommes là, vous savez, on est là pour maintenir la flamme. Ça veut dire que lors des rendez-vous importants, nous devons être là. On va encore recommencer. Tous ceux qui portent les noms des disparus, revenez ici pour terminer comme la semaine dernière. On va à nouveau rappeler. On va rappeler à nouveau les disparus. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est là, s'il vous plaît. Il est 35. Bon. On va montrer les disparus. Après, on passera la parole au Togo. On va d'abord montrer les disparus. On va d'abord montrer les disparus. Tous ceux qui portent les effigies des disparus, des prisonniers. Prisonniers. Approchez-vous vite, s'il vous plaît. Prenez des photos, filmez. C'est important que ces photos-là sortent. C'est important. Tous ces gens aujourd'hui sont emprisonnés à cause de leurs opinions politiques. C'est même pas une opinion politique que de réclamer la liberté. Car pour moi, réclamer la liberté, c'est pas faire de la politique. Ce sont des droits fondamentaux. Car les hommes, les femmes et les hommes naissent égaux en droit. Donc tous ces gens aujourd'hui sont emprisonnés. Certains qui ne sont pas là sur ces effigies, on ne sait pas où ils sont. Zibi Bertrand a été torturé. La même que la France a reçu ici à Libongo le 12 décembre dernier. Au Gabon, ils torturent les gens. Et la France reçoit à Libongo pour l'environnement. Et on torture les gens au Gabon. Tout ça parce que certains pensent que l'Afrique, ce n'est que du minerai, ce n'est que du pétrole, ce n'est que du manganèse. La richesse du Gabon, ce sont ces hommes. Pardon, ces femmes et ces hommes et ces enfants. Alors, est-ce que quelqu'un peut citer les noms? John, quelqu'un d'autre peut citer les noms? Oh, les amis, comment? Bon, libérez Zibi Bertrand! Libérez Zibi Bertrand! Libérez Landry Amien Washington! Libérez Landry Amien Washington! Libérez Frédéric Massavala! Libérez Frédéric Massavala! Ou Hermel Mouimbini!
Où est Armel Mwembili? Où est Alain Bella? Où est Alain Bella? Où est Stampy Obama? Où est Stampy Obama? Libérez Hervé Mambo! Libérez Hervé Mambo Kinga! Libérez Hervé Mambo! Libérez Hervé Mambo Kinga! Libérez Zibi Bertrand! Libérez Zibi Bertrand! Libérez Amiens Washington! Libérez Landry Amiens Washington! Libérez Frédéric Massavala! Libérez Frédéric Massavala! Où est Armel Binet? M'énerve ce truc là. Libérez Arnold Zambam. On va passer la parole au Togo maintenant. La technologie est énervante quelquefois. Bon. On va, faut qu'on recule en fait. On est en face, on l'arsène. C'est la physique malheureusement. Voilà. Donc on va passer la parole au Togo. Nous avons les mêmes problématiques. Aujourd'hui au Togo, il y a des disparitions forcées également. Tout le monde, il y a des gens qui sont enlevés. Donc on va passer la parole au Togo. On recule un peu. Parce qu'en fait on est trop venu. Ah ouais. De l'ancien. Ok, ouais, ouais. Bon, alors, bonjour chers amis, et nous sommes ici, effectivement, pour continuer notre lutte, la lutte que nous menons depuis fort longtemps, et Togolais, nous sommes aux côtés de nos amis Gabonais, comme tous les Africains, et nous nous sommes manifestés, hein, depuis ce jour du mois d'août 2016, si j'ai bonne mémoire, hein, où c'est Japy qui a gagné, mais Monsieur Bongo, hein, n'a pas voulu, effectivement, s'en aller, alors qu'ils condamnent le Gabon comme la propriété privée de la famille Bongo, hein, on dépense l'argent du Gabon pour faire ce que l'on veut, par exemple acheter une propriété à 100 millions d'euros à la venue d'université, hein, pour la famille Bongo pendant ce temps, dans les hôpitaux, dans les écoles et autres, tout manque. Et en est de même aussi, d'ailleurs, au Togo, hein, nous avons une famille qui s'accroche au pouvoir, elle s'en est pas les colons. Et actuellement, il est instauré un dialogue parce que l'opposition a manifesté plusieurs fois dans la rue et le régime est contraint de faire quelques concessions. Alors, on veut que, avant que le dialogue ne soit approfondi, que nos camarades qui sont actuellement en prison soient libérés. Alors, une médiation est assumée par le Ghana et cette médiation, appuyée par la CEDEAO et l'Union africaine, exige effectivement que le régime fasse des concessions. Mais le régime ne veut pas libérer les prisonniers politiques. Certains sont emprisonnés à cause des incendies de deux villes principales du Togo, Kara et Lomé. Et ces gens-là ont été incarcérés suite à des incendies provoqués par des hommes du régime. Ce sont les hommes du régime même qui sont allés incendier les marchés. Et après, ils ont mis cela sur le compte de l'opposition. Alors, les gens sont incarcérés, mais ils n'ont plus de 5 ans, et on ne veut pas les libérer. Mais l'opposition exige que nos camarades qui sont actuellement détenus soient libérés. La lutte que nous menons a un sens. Et quel sens ça a ? Nous luttons pour que nos peuples africains aussi puissent avancer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si... Et on voit un peu comment sont classés nos pays dits francophones. Nous sommes toujours dans le dernier quart des pays, hein, dans le classement du programme des Nations Unies, hein, sur l'indice du développement humain. Nous sommes toujours dans le dernier quart, tous les pays francophones, parce que nous avons des régimes en place qui ne pensent pas tellement à nos populations, mais qui ne font que se servir liés à des compagnies étrangères. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans les journaux ici? Nous lisons que, bon, en Afrique, maintenant, la démographie augmente, que bientôt, l'Afrique va avoir 2 milliards d'habitants et que cela menace l'Europe. Mais ils ne pensent pas au vrai problème qui est le problème de développement même de l'Afrique. Quand les sociétés installées dans les pays africains ne pensent pas aux populations, quand les sociétés s'arrangent avec les dirigeants pour exploiter nos pays uniquement, pour l'Europe ou bien pour dans l'intérêt des compagnies privées, ce n'est pas ça qui va limiter la démographie en Afrique. La démographie
ne peut être limité que par l'instruction, la formation et l'information. Mais tout autre système, jusqu'à présent dans le monde, n'a pas marché. Donc nous exigeons quoi? Que la parole de la population soit entendue, que quand on fait les votes, on en tienne compte, que celui qui est là, s'il est battu, si le dirigeant qui est là, quand il est battu, qu'il s'en aille et qu'il ne s'accroche pas. Et de deux, nous ne voulons plus de monarchie en Afrique. Nous voulons que nos populations aient droit à la parole. Et que, après un certain nombre de mandats, que nos dirigeants s'en aillent. Donc, nous voulons que surtout au Togo, pour que le dialogue continue, il faut que les détenus politiques soient libérés et que le régime là sache qu'après deux mandats, il faut s'en aller. Au Togo, nous disons qu'en aucun cas, il ne peut faire plus de deux mandats. Merci, merci, bravo. Applaudez. On va faire l'hymne national. On va commencer par le Togo, après le Gabon. L'hymne national. Salut à toi, pays de nos, salut toi qui le rend des fois paisibles et joyeux, que tu vas vers tu vaillance pour la prospérité, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Défaillance, vaincons ou mourons, mais dans la dignité, rendu-toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, tous les biens bâtissons la cité. Libérez Zibi! Libérez Zibi! Libérez Zibi!
Sous la flamme.